Nous gagnons un cadeau quand on a 3 abonnés. Maintenant, les lignes gagnent 6 cadeaux. Si les lignes gagnent 6 cadeaux, veut dire en d'autres mots, les bizaines prend 3 fois 6. Ça veut dire en d'autres mots, les bizaines prend 18 abonnés. Vous avez bien ces idées là. Les gagnent un cadeau. Nous gagnons un cadeau quand on a 3 abonnés. Mais maintenant, quand nous gagnons 6 cadeaux, combien d'abonnés nous avons acheté? Nous avons acheté 3 fois 6, veut dire 18 abonnés. Maintenant, vous me dire comme ça, mais cette question-là, direct pour prochain ça, qui me t'explique ça hier? Me t'explique ça comme ça que, voilà, donc direct pour prochain, quand nous connaissons quelque chose, il y a un direct pour prochain, si quand un augmenté, l'autre a aussi augmenté, ou soit quand un peut baisser, l'autre côté aussi baisser. Allez, dis-moi ça de même. Ici, là, plus vous prenez abonnés, est-ce qu'il vous gagne plus beaucoup de cadeaux? Oui, quand vous prenez 3, vous gagnez N. Quand vous prenez 6, vous gagnez 2. Et quand vous prenez 6, vous gagnez N, vous gagnez N, vous gagnez 2. Si vous prenez 9 abonnés, vous gagnez 4, vous gagnez 3 cadeaux. 9 abonnés, 3 plus 3 plus 3, c'est 9. Vous gagnez 1 plus 1 plus 1, vous gagnez 3 cadeaux. Quand vous prenez 12 abonnés, vous gagnez 4 cadeaux. Ça veut dire en d'autres mots, plus vous prenez abonnés, plus vous gagnez plus beaucoup abonnés de cadeaux. Mais voilà, quand N peut augmenter, l'autre côté là aussi peut augmenter, qu'ils ont dit d'apprendre. When one quantity increases, and the other variable or the other quantity is also increasing, if both are increasing, it is direct proportion. Okay, it's good. So basically, then when you know that it is direct proportion, quand vous connaissez que c'est direct proportion, then only you're allowed to do this. Maintenant, pour ceux qui me disent à moi, qui ont peur de dire moi, ça c'est direct proportion, oui, vous êtes tout le temps quand vous êtes une félie comme ça, c'était peut-être pas réalisé, mais c'était direct proportion ça. Si N libé vaut 3, 6 comme niveau 3 fois 6, c'est ça même qui appelle direct proportion là, qui peut-être, et n'a pas à prendre compte de ce qu'il fait direct proportion. Ok, ce coup depuis dans 5e, vous pensez se connaître un petit peu, ça m'a encore dit là. Allez. Ça veut dire en d'autres mots, pour les gagner 6 abonnés de cadeau, les bizarres c'était 18 abonnés de voilà. Pour les capables de gagner 6 abonnés de cadeau, les bizarres in purchase 18 abonnés. Alors la question c'est, how many soaps in all does she bring home? Allez, combien d'abonnés au total y amène la maison? Voilà, ça veut dire combien d'abonnés y amène au total. Alors, il faut acheter 18 pour les gagner 6 cadeaux. Il faut acheter 18 pour les gagner 6 cadeaux. Ça veut dire, voilà, au total, il a acheté 18, il gagne 6 en cadeaux. Ça veut dire, au total, c'est. Ça veut dire, au total, c'est 24 soaps. Alors, part A and B were relatively easy. Now, let us have a look at the part C. For this one, a third housewife brings home 32 abonnés au total. Ah, il amène 32 abonnés au total. Now, this one, it is not a difficult question, mais c'est juste que nous devons vraiment connaître comment le faire. Si il amène 32 abonnés au total, il amène 32 abonnés, nous avons un petit coup de pas ici. Alors, comment le faire pour cette question? Nous avons un coup de comment le faire pour cette question? Je suis tout d'accord que pour chaque un abonné, pour chaque un abonné de cadeau, il faudrait en acheter 3 abonnés. Pour chaque un abonné de cadeau, il faudrait en acheter 3 abonnés. Si je dis nous avons fait comme un petit enfant pour faire, comment nous avons fait pour avoir une technique aussi, nous faisons une méthode plus simple, nous essayons de casser bout en bout. Nous essayons de casser bout en bout ici, nous gagnons un petit coup, alors cela vous donne quoi? Let us have a look at this one. Allez. Si vous répondez à ça là, si vous répondez à ça dépit, au total il arrive là 16. Get quand il gagne 24 abonnés, comment il fait pour gagner 24 abonnés? Allez, nous mettons les disons ici. From port B. Ok, it's good from port B. The tout d'accord, quand nous avons 18, quand nous avons 18 abonnés, voilà, nous gagnons 6. En cadeau. Ça veut dire total est égal à 24. Allez, nous continuons. Si mon petit bizien gagne 7 abonnés de cadeau, 7 abonnés de cadeau, ça veut dire que vous m'aurez gagné encore un abonné de cadeau. Pour m'aurez gagné encore un abonné de cadeau, vous voulez moi c'est encore 3 abonnés. Vous êtes d'accord, la guette bien. Pour me gagner encore un abonné de cadeau, vous voulez me acheter encore 3 abonnés. Allez. Encore 3 abonnés, comment faire nous? Les faire nous 21 soaps.
Au total, combien faites-nous vous autres? Au total, faites-nous, cela veut dire 21 plus 7. Alors, cela vous donne 28. Maintenant, si nous divisons, gagne 8 savonnettes en cadeau. Comment nous pouvons faire pour gagner 8 savonnettes en cadeau? Ça veut dire, là, c'est possible, on regagne encore une savonnette de cadeau. Pour me regagner, chaque fois que je gagne une savonnette de cadeau, mon besoin, c'était 3 savonnettes. Allez. Pour l'in gagne 7 savonnettes de cadeau, l'in besoin, c'était 21 savonnettes. Pour l'in gagne 8 savonnettes de cadeau, l'in besoin, c'était encore 3 savonnettes. Ça veut dire, c'est possible, l'in besoin prend 21 plus 3. Ça veut dire, voilà, l'in besoin prend 24 savonnettes. Vous êtes tous d'accord, les besoins pour 24 savonnettes, ça veut dire, allez, total comme faire. Voilà, total fait 32. Et si total fait 32 par ici, ben c'est ça même l'indienou. L'indienou comme ça, a third housewife brings home 32 soaps in all. Au total, il amène la case 32. Mais il n'a pas acheté 32, lui. Il n'a pas acheté 32. Il a acheté 24. Là, voilà, il paye 8 en cadeau. Ça veut dire en d'autres mots, the third housewife, 3 petits points veut dire therefore. Therefore, the third housewife. Therefore, the third housewife allows purchased 24 soaps. Okay, it's good. And then she obtained 8 soaps as free. So basically, this is end of direct proportion for the title proportion itself. So next week we are going to a video record for. We are going to video record for inverse proportion. I'm going to do it in one straight session. Et pas oublier aussi que et je prends dans une bande de devoirs. Si je me trompe pas, les devoirs sont pour mardi. Alors les devoirs ne corriger mardi. Pour les devoirs, voilà, et on a déjà fini avec vos autres devoirs, les on termine une photo, hein. Please have a look at all pictures. Alors, je ne vais pas vraiment te aider parce que nous connaissons les autres, quand même fatigué de faire une vidéo. Alors, toujours comme un petit recap, s'il vous plaît. Alors, premièrement, make sure that you have all your notes copied in your copybook. D'accord? Quand je dis fini, copie ça ma note, première page là, je commence avec votre exemple 1. Je get exemple, quand je get fini copie exemple 1, je get vidéo pour exemple 1, comprends, à chaque fois, I'm stressing on the word understand, même pour message aussi. Je trouve à chaque fois mauvais des autres, it's really imperative for you to understand. Comprends vidéo pour exemple 1, quand je get fini, comprends vidéo exemple 1. Là, voilà, je n'ai qu'à pour copier les notes, depuis dans une vidéo, comme ça, on peut faire le maximum pour aussi prendre en photo pour vous. Hein? Comme ça, je n'ai pas besoin vraiment. Copier depuis dans une vidéo, je n'ai qu'à aller en termes une photo high quality. You can zoom as much as necessary. De toute façon, on peut écrire assez et. On peut écrire, it's enough voluminous for handwriting, juste pour qu'il